Allez, c'est parti. Bon, là, on va se taper une cinématique en CGI qui a coûté 400 millions. Salut Zélios! Ah! J'ai les sous-titres en anglais, tiens. Perso, je m'en tape, mais j'ai. Toi, c'est en anglais ou oh, toi, tu mets le jeu en anglais de base? Ouais. Yes, Zélios, coucou à toi. Vous les avez en français ou pas, vous, en jeu, les sous-titres? Il me semblait bien marqué qu'ils sont français, pourtant. Blizzard Entertainment Presents. Ah, ça marche. Ok. Donc c'est pas moi qui m'a cliqué, quoi. Mais c'est la cinématique qu'on a vue... Ouais. Bon, elle est toujours magnifique, ceci dit, hein. Salut Ezekiel, salut Midrel. Coucou vous deux. By divine poison. Hey, guys. Look at me! All the gold we want is right there. Oh, I just came here for knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now. Le schématique de Blizzard en général, quand non, ça a toujours été leur force. De mon expérience de jeu vidéo, et je suis ouvert à en débattre, hein, mais sur l'aspect technique. Hein. Les seuls qui s'en rapprochent, et je trouve quand même qu'ils sont un cran en dessous en termes de qualité, même s'ils en sont très proches, c'est Square Enix avec Final Fantasy. Hein. Mais sinon, la qualité technique et cinématique de Blizzard, folie. Même pour les extensions de WoW de merde, t'as des cinématiques incroyables. Je connais pas assez BioWare pour en parler. Blood is the key. Blood is the key! Ah, what? I need two of you! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes... You gotta be kidding me! C'est ça, elles étaient très belles aussi, mais c'était un cran en dessous, quoi. Mais c'était quand même très très beau. Il y a une netteté dans la cinématique de Blizzard qui est assez folle. We have to help him. He's dead already. Ah, sympa. C'est moi, les sous-titres sont un peu décalés. Bon, ça va faire partie des bugs. Non, ils ne veulent pas divulgâcher. Oh well, cheer up. Gold split's better three ways instead of four. Oui, on en a parlé tout à l'heure, Kamset. Mais on a le jeu. J'ai les viewers qui sont sur PS5 qui nous confirment que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Je sais pas d'où vient leur vidéo, mais c'était dégueu. On aurait dit du Diablo Immoral, leur vidéo de gameplay. T'es à la bourre, on en a parlé tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec toi, elle est dégueulasse, hein, la vidéo. Ça ressemble à du Diablo Immoral 3000. Tu me confirmes d'ailleurs, je crois qu'il y a au moins Angel qui est sur PS5. Ça n'a rien à voir avec la vidéo à chier. Hail the creator. Oh, hail the daughter of... Oh no. No, no, no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak. Don't lie to me. We came here for treasure. En fait, c'est comme d'hab, c'est qu'ils ont mis une vidéo sans se soucier de la qualité du jeu ou de l'encodage. Maybe it's a temple. Or a tomb or... It's a gate. Et là, le dialogue est bon. Ouais, c'est les sous-titres qui sont en retard, donc ça vient pas de moi, ça vient bien de la bêta. Ah. Coucou. Burn. Coucou. On est d'accord qu'il ressemble un peu à Bronn, hein, non? Dans Game of Thrones. Ouais, un peu, ouais. C'est là avec la coupe de cheveux, même les arcades et tout.
Il y a un petit côté, je trouve, Bronn de Game of Thrones, ouais. Autant que David Castello te ressemble. Non, 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 arrête. Blessed I cried. The eternal life protects me. The divine wisdom guides me. Ah bah c'est la Dark Fantasy, c'est ça en fait logiquement, Diablo c'est la grosse Dark Fantasy Lou hein. C'est pas le pays des bisounours hein. Tout est basé, beaucoup de choses sont basées sur le sang pour le coup. L'élève. Au père de famille des Lannister, Charles Dance, plus à Bronn, je trouve. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Là, le vrai problème, c'est que si le jeu est cool, ça va être dur d'aller se coucher ce soir pour se lever tôt demain matin. Après, ça sert à rien au final que je me lève tôt, étant donné qu'il n'y a pas de file d'attente. Après, il faut l'avoir demain matin. Non, parce que bon, je vais pas me réveiller à 6h30 s'il y a pas besoin de... s'il y en a pas besoin, vous voyez. Je préfère commencer mon... T'as relancé Battle.net ou pas, Creep? C'est ce qu'il fa... c'est ce qu'il fallait faire, hein, je précise. Ah. By the blood of the willing, we call thee home. Ah ouais, c'est ça. Lui, il se sacrifie volontairement. Ah, c'est bien... En vrai, c'est quand même giga gore. Of hatred, creator of sanctuary, hail. Elle est quand même bien classe, hein. Elle a la tronche de Trump. Non mais toi t'es ravagé toi. Alors, est-ce qu'on fait un sorcier ou un barbare en première? Ça, c'est les grandes questions, ça. Attends, aperçu. Alors, barbare. Rage et frénésie, organisez votre rage intérieure. Ok. Saignement, somnambulant. Rage effréné. Il est où ton voleur? Oh putain, en plus, il y a les double dagues. Oh, tu vas être insupportable. Tu vas être trop content. Direct de la présentation, double dague. Eh ouais, mon gars. Pas du tout, Shinonic, ils appellent ça un week-end d'accès anticipé pour les précommandes, pour le distinguer de l'open bêta qui est une open bêta, comme son indique. Allez, le barbare, on fera le sorcier, je pense, en solo.
Il y a pas un petit truc random là, j'aime bien les j'aime bien les trucs random. Personnaliser, voyons voir à quoi ressemble la personnalisation. Alors. Bon, visuellement, c'est très propre pour le coup. D'ailleurs, j'ai pas encore eu accès aux options graphiques du jeu. Il te ressemble. Non, va falloir arrêter avec ça. Alors, va falloir arrêter les gars. Allez, monsieur. Parce que, en vrai, moi, j'avoue que sur un hack and slash, je m'en carre le fion de mais une chemise te ressemble. Bah oui. Enlève les abdos, les pectoraux, les bras et tout, quoi. Allez. Pas mal de trucs en vrai. Je pense que ceux qui ont envie de se faire un petit kiff sur le personnage, voilà. Mode extrême, non. Alors, non. Bah, il se hein. Commencer. Alors, plus dead ou moins dead? Oh bah non, moins dead, on va s'en sortir. Hein. Après une nouvelle fonctionnalité, oh, ça. Le mec, il prend pas les tutos. Toi, t'as fait plus dead, toi? Non, mais j'ai hésité au cas où ils disaient des trucs. Bah, en fait, c'est intéressant. J'ai peur que ce soit des tutos nuls en mode clic droit pour avancer. Bah, c'est ça. Soit ils disent bien, tu regardes, aide minimale pour les nouvelles fonctionnalités uniquement. Donc bon, je pense que le plus aide, c'est vraiment pour les débutants du hack and slash. Hein. Alors, niveau... En vrai, j'aurais dû, par curiosité, j'aurais dû voir ce que c'était sur la bêta, en fait. Mais sur l'autre bêta, je le mettrai pour voir. Attends, les personnes qui découvrent Diablo, niveau 1,50... Ah, t'as mis expertise, je suppose, en niveau de monde. J'ai mis 2. Ouais, bah, par exemple, il y a un deuxième. Ou deux, quoi. Hop là. Et il y a un petit côté... Comment il s'appelle ce jeu, là, Alone in the Dark, là? Non, je ressens la putain merde avec Dark dedans. Putain. Dark and Darker? Non. En vue du dessus, pareil. Avec Dark. Une démo avec Dark était assez sympa. Spark in the Dark. Spanné, là. Ouais, Spark in the Dark. Ouais, il y a un petit côté Spark in the Dark au début, en tout cas. En plus nerveux, hein, évidemment. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. Ah, full loot! But now this once powerful order is lost. On joue à Diablo 4, ouais. Qui l'eût cru? And centuries ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This. Ça me fume, mais j'ai été médisant. J'aime pas me tromper. Je suis content que ça marche, mais j'aime pas me tromper. Pour moi, c'était impossible qu'on joue ce soir, vraiment. Ah, c'est pour ça qu'il faut jamais dire jamais. Disons que j'ai quand même, il y a quand même un certain passif qui les probas étaient avec moi. C'est pour ça, il faut dire c'était très peu probable qu'on joue ce soir, mais effectivement, on sait jamais. Ah bah alors, pour moi il y avait une chance sur 1 million, c'est pour ça que j'étais là, tu vois, quand même. En partant du principe que ça marcherait pas, mais sur ce que j'avais dit, c'était technique Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, mais j'y croyais pas, quoi, par contre. Ah, j'ai level up. C'était du pur Jean-Claude Duss, quoi. Oh, je suis pas optimiste. Hein. Je suis optimiste me concernant moi, Midrael, parce que. J'ai confiance en moi, mais je suis jamais optimiste concernant le reste. Hein. Alors, voyons voir, c'est quoi. Donc ça, c'est la cinématique qu'on a pu voir, en fait, donc qui est là, qui est avec le moteur du jeu, où c'est donc notre personnage, quoi. Bah, alors, blague à part, Spookix, moi, l'intérêt de me lever très tôt demain matin, c'était au cas où les serveurs marchent pas, justement, pour être sûr de pouvoir jouer. Celle-là, par contre, comme aujourd'hui, j'étais quasiment sûr de pas pouvoir jouer, j'étais quasiment sûr de pouvoir jouer en me levant tôt demain matin. Bon. Mais c'est vrai que, résultat, si ça tient. Bon, on va voir ce qu'on fait. Hein. Bah, au moins, si je geek pendant que tu roules, tu pourras m'écouter geeker. Alors, encore une fois, le 24h dépendra du contenu. Bah, ben voilà, il a à manger, là. Et on fera l'open beta parce que j'ai vraiment envie de tester le druide et le nécro aussi. Surtout le druide, parce que c'est vrai que voir Pookie jouer un gros tank comme ça, ça a l'air cool. Sauf que Pookie t'es jamais devant, mais. Ouais, t'es pas mal. Pookie il loot derrière vous, c'est ça. Classique Pookie. C'est sa plus grande force, c'est de piquer le loot et piquer la thune. Et là, ça plante. Salut Shinza! Non, alors pour le coup, ça je l'avais bien expliqué.
Il n'y a que Azelos qui va faire la bêta avec toi. Bien, surtout que Azelos qui a une clé parce que je lui ai filé. C'est surtout la... Nat, elle peut pas. Je pense qu'elle aurait testé. Après, il n'y a pas son écrou, donc je ne sais pas si elle aurait testé. Ah, bonjour. Buffalo, il peut pas. Et Pookie, il peut pas non plus, en vrai. En vrai, au-delà du fait qu'on avait que son, j'ai qu'une seule clé à donner, les autres n'étaient pas dispo, de toute façon. Et bienvenue à toi, Shinza. Un petit bonjour, quand même, comme premier message. Ah ouais, on commence à jouer direct. Alors, attendez, on va aller dans les options graphiques. Vous connaissez... Pour moi, c'est la base. Logiquement, tu commences un jeu, le premier truc à faire, c'est dans les options graphiques. Alors, IPS max, 100 en arrière-plan. On met à 60. Ici, on va bloquer à 120. Il y a le DLSS sur le jeu. Très bien. Voilà. Qualité élevée. Parce que vu les recommandations, logiquement, avec mon PC, ça va être pépère. Oui, non, mais c'est juste que tu précommandes le jeu et tu le refunds sur Amazon. Le DLSS, pour l'exclamation DLSS, Animis. Bonjour à toi, Shinzar. J'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Le volume général, on va baisser un peu ici. Effet sonore aussi, mais pas trop non plus quand même. Je suis sur mon portable à Cam7. Alors j'ai certes une 3080, mais je suis sur mon portable. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, ça peut faire en sorte que je chauffe un peu moins. Regarde, je ne suis point chez moi. Ils font pas la... Non, c'est pas les reflets de rayon, ouais, comme... sauvegarder... Alors, attendez, ici on a quoi de beau? Bon, classique, ça osef pour l'instant. Pop. Et salut Driller, c'est gentil. C'est vrai que... Ah, il y a du VOIP, tiens, visiblement. Ok, lecture, synthèse vocale. Ah, son du butin lâché en jeu. Ah, c'est stylé ça. Tu peux avoir un son particulier pour avoir... Ok, vas-y, je vais mettre ça. T'as un son, donc quand t'as un bon loot, ok. Bon, fin de la partie, pourquoi Dritz? Ah, j'ai été déco. Mais non, regarde, j'ai eu même... T'as, je viens de me connecter, j'ai eu que 6 minutes de d'attente, hein, donc bon. Moi, je voulais, attendez, je voulais un truc pour avoir le son en arrière-plan quand je fais un alt-tab. Parce que je fais souvent des alt-tab. Donc j'ai besoin du son en arrière-plan, mais je sais pas comment on fait. Ah, son en arrière-plan, bingo. Voilà, j'étais en combat et en hardcore. Ah, ah ouais, mais ça c'est dangereux aussi. Bon, ok, donc ouais, c'est tout de suite beaucoup plus lourd. Rien que les déplacements, ça se sent. Attends, je vais mettre la caméra ailleurs. On va descendre un peu la cam, on va la mettre là. C'est bon, elle est bien. C'est tout de suite beaucoup beaucoup plus lourd pour le coup. Ok. Plutôt joli, hein. On tape des bibous direct. Alors les potions, par contre, je vois qu'elles sont numérotées. Ok. D'ailleurs, on a quoi en termes de framerate là? Bon, comme prévu, le jeu est pas pensé pour tourner sur du 120. Je pense que vous pouvez le bloquer à 60, hein. Comme vous pouvez voir, je suis dans le prologue, donc logiquement, le prologue, c'est ce qui tourne le mieux. Et je suis à 70-80 FPS. Donc il a vraiment... Je pense que le... C'est... Oula. Petit drop de framerate, quand même, mine de rien. Mais il y a moyen qu'il a été pensé pour tourner en 4K 60, hein, sur console, pour le coup. Ça m'étonnerait pas. Bonjour. Crépuscule sur la montagne. Bonjour. What's it to you? Oswen, hush. I'm sorry, wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. There is evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Ok, c'est une recherche sur la... Holy man like him was driven mad by what... Ah, la vie, on monte pas toute seule, tiens. Ok. Mais non. La vie ne remonte pas toute seule. We'll
what we can for him. Might have to keep him in the shed for now, though. He tried to bite off Osman's fingers. Ah, plusieurs viewers d'écho. Courage, les gars. Alors, j'attends de voir comment ils vont faire gérer les potions. Nothing special about our little town, but it's parce que cool. Si c'est la Diablo 2, c'est une connerie. Hein. Ah, là, j'ai plutôt l'impression que c'est en mode t'as juste des charges de popo et c'est tout. Hein. Ouais, mais comment on les remplit, c'est la question. T'en loot par terre, mais automatiquement. Ah, bon. Tu loot des charges en fait. Oui, mais dans ce cas-là, c'est très bien alors. Ah oui, oui, c'est très bien, mais c'est en mode. C'est presque en mode Dark Souls là. En fait. Oui, mais ça, c'est cool alors. Ouais, en mode Fiel des Sus en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est sympa complètement. Oui, donc c'est pas du tout ce que tu disais par contre, Ritz, hein, résultat. T'as dû une énorme connerie la dernière fois, résultat. Je joue un barbare. D'ailleurs, ce cure, tu peux me rajouter, tu peux changer mon titre, tu dégages le truc des files d'attente, tu mets crochet PC, crochet barbare, crochet bêta préco. Et ah bah tiens, déco, connexion. Et vous connaissez Diablo 4 en titre, après, s'il te plaît. Entrer dans les ruines des glaces hurlantes. Oui, mais dans ce cas-là, t'en parles pas, Drit, justement. Tu comprends la nuance? Salut, Pamille. Attendez, ah, c'est quoi ça? Ah, truc de compétence, ok. Frénésie. Ça a l'air stylé, rendu. Wow. Ah, plein de gens sont déco, visiblement. Ah. Ouais, le déco est. Ah. J'ai perdu mon perso en plus. Ah, ça commence à. Ah, là, je commence à connaître Blizzard. Me disait aussi, attendez, déco, plus de perso. Ah, non, mais c'est... Ah, je sais pas si j'ai vraiment... En fait, je pense que c'est bugué parce qu'il me propose d'effacer un personnage, mais... Non, c'est pas que t'as plus ton perso, c'est que le serveur sait que t'en as un, mais n'arrive pas à le retrouver, généralement. Et il le voit pas, en fait. Par contre, moi, c'est un bug, entrer dans les ruines des glaces hurlantes. Je suis con ou je suis con? Finalement, ouais, ça y est, bon, là, c'est full bugué. Voilà. Finalement, je vais peut-être devoir me lever tôt demain matin, moi. Je t'avais dit d'attendre une demi-heure. Je t'avais dit que dans une demi-heure, ça serait peut-être différent. Hein. Ça me rassure quand... Ça me rassure... Tu vas crash bientôt. Parce qu'en fait, logiquement, ce genre sabri là, je devrais pouvoir rentrer, c'est ça? Ah, là, on reconnaît le jeu. Ah, ah, je t'avais dit qu'il fallait laisser le temps aux gens de comprendre qu'il fallait quitter le launcher et relancer. Voilà, donc là c'est full buggé, écran noir. Alors, je suis pas content, mais j'aime bien avoir raison. Ah, du coup, t'es content un peu. Un peu. Non, voilà. Mais je préférerais par contre avoir tort et jouer. C'est la différence. Hein? Relance direct, ok. Donc on est d'accord, là c'est un bug, hein. Je suis pas con, hein, voilà. Ah, mais faut arrêter de commencer avec vos persos en extrême aussi, la bande de bananes. Donc quitter Diablo 4. Oui, ça jouait. Par contre, jouez pas en extrême la première semaine de Diablo 4. Hein. C'est ça. Commencez votre premier personnage, le faites pas en extrême au début de Diablo 4, même à la sortie du jeu. C'est suicidaire en fait. Clairement, hein, faites votre deuxième personnage en extrême. Le mage, il a l'air quand même bien stylé aussi. Hein.